Révélation choquante du portier André Onana. Écarté du groupe il y a de cela quelques jours, André Onana donne des raisons. Avoir été sanctionné pour indiscipline, c'est archi faux. Le gardien de l'Inter Milan n'a jamais fait preuve d'indiscipline, non, il a juste été juste sur la vue professionnelle et a donc été mordu. Selon le portier, le match contre la Suisse était prenable là pour lui, c'était 3 points à sûr. André Onana a touché 61 ballons dont 26 hors de la surface, un record pour un gardien en Coupe du Monde depuis 1990. On constate que deux fois le gardien traversait les défenseurs pour aller faire les relances. Le vérité problème du gardien, c'est le système de jeu. Pour lui, il est trop lent. L'équipe joue bien mais trop lente. Voici alors ses vérités: le défenseur central Nicolas Coulot est trop lent et n'est pas présent dans le jeu. Le but encaissé par le Cameroun est de la faute du défenseur central qui était absent à son poste. André Onana l'a claqué cash devant tout le monde, ce qui n'a pas été accepté par le sélectionneur national Rigobert Song. Sachant déjà que Nicolas Coulot lui est aussi le protège de Samuel Eto'o, vice-préside de la Fédération camerounaise de football, cela était impossible, ce sans prendre défenseur. Samuel Eto'o pour cette fois a laissé le sélectionneur prendre sa décision. André Onana sera écarté de son équipe. Sans faute le jour après le match contre la Suisse, le gardien s'est dirigé vers les appartements du président Samuel Eto'o pour l'en parler. Ma BCE dernière a remis en question le droit au sélectionneur. Vu que André Onana est le gardien premier de l'équipe, le sélectionneur n'a pas eu froid aux yeux en risquant la qualification du Cameroun. Beaucoup de personnes s'en prennent à André Onana, ce qui n'est pas la vérité. Soyons honnêtes, la mère d'Embolo a eu raison, le Cameroun est un pays pourri, rien n'est clair ici. Tout le monde est flou, même celui qui n'a plus rien à demander aux autres. Selon des explications, Claire Onana a refusé de demander des excuses et a préféré rentrer au Cameroun. Sur sa lettre, il a souhaité beaucoup de courage au deuxième gardien Epassi pour la suite. N'hésitez de vous abonner, je reviendrai avec une nouvelle vidéo concernant Nuutolo.